Good morning, everybody. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Thank you, Father. May the Lord bless you. Bonjour à tout le monde. Bonjour à chacun de vous. Et bonne arrivée ce matin encore. Bonjour. J'espère que chacun de vous a bien dormi. Que le Seigneur vous bénisse. You are welcome. La vie de l'homme. S'il vous plaît, connectons-nous, partageons la vidéo. Ce matin, on va gâter un peu le coin. Satan ne va pas oublier la matinée ici. Donc, si dans ta vie, tu attends une intervention divine, je pense que cette émission, c'est pour toi. Et en passant, même qui n'attend pas une intervention divine dans sa vie? Bonjour à tous ceux qui se connectent à l'instant, Honorine, Olympio. Waouh, ça c'est bien, ça fait longtemps. Eugène Momo, Noël Mvogo. Noël Mvogo, que Dieu vous bénisse. Le nom Vogo est plein de souvenirs chez moi. Hein? Le nom Vogo, Mvogo. Mvogo. Un instant, s'il vous plaît. Noël Mvogo. Ok, allons-y comme ça, ça va. Mvogo, c'était mon premier pasteur résident. Hein, résident. Je l'avais établi pasteur résident. Donc, il était mon second à l'église quand on venait de commencer le ministère. Et à un certain moment, le ministère a commencé à... Avec certains frères à l'église qui avait été amené par un autre frère, un ami qui persévérait avec nous. Et puis, quand il est venu, je l'ai vu. Je l'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ah, celui-ci, je peux le mettre comme pasteur assistant. Et on l'a mis comme pasteur assistant. Mais après ça, ce qu'il m'a sorti comme couleur, c'était sérieux. Voilà, connectons-nous s'il vous plaît. Nous parlons de la sorcellerie. On parle de la sorcellerie. Et je pense que ce matin, chacun de vous doit attacher sa ceinture. Parce qu'on va parler des affaires très graves. Des choses très sérieuses. Des choses. Si quelqu'un ne croit pas en la sorcellerie, appelez-le. Et dites-lui, parce qu'aujourd'hui, on va vous exposer la femme qui a voulu me tuer par des pratiques de sorcellerie. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée en cachette. Ça s'est passé à l'église. À l'église. Et les sorciers sont tellement courageux aujourd'hui qu'ils ne se cachent plus. Attaque à l'église, la guerre devant tout le monde. Pour me tuer. Moi, prophète Kanefersina, you kill me, you are mad. I mean, you are mad. You cannot. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je parlais de ce Mvogo-là. Et puis, il m'avait donné une prophétie. Il avait dit que la prophétie disait que le ministère va se disloquer en 2 semaines. Mais malheureusement, c'est leur propre ministère qui s'est disloqué. Et nous sommes en train de continuer. Ça fait 10 ans aujourd'hui. 10 ans exactement. Ça, c'est la 10e année de notre ministère. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, connecte-toi s'il te plaît. Et je voudrais annoncer à tous ceux du Cameroun qui se préparent pour le culte des familles du 31G au palais des congrès, que le culte n'aura plus lieu au palais des congrès. Le culte aura lieu à la Bire, en Kouaban. Parce que nous avons été notifiés hier de l'indisponibilité du palais des congrès. Donc, désolé pour ces désagréments, mais nous nous rabattons du côté de la Bire. On va s'organiser dans tous les cas. Tout le monde sera à l'aise. Donc, manifestons notre amour pour Jésus-Christ, nous et nos familles. Et j'ai dit à l'Église que le Seigneur m'a dit clairement que le fait que le service des bus ait été interrompu, c'est parce qu'il nous introduisait dans une saison de bénédiction. Maintenant, celui qui vient à la Bire paye le prix.
Il paye un prix, c'est-à-dire il apporte une preuve à Dieu. Et Dieu ne joue pas avec cela. Il ne joue pas avec cela. Donc, il ne le prend pas à la légère. Vous savez, cette nuit, j'étais en train de beaucoup méditer sur l'Église. Et je me rendais compte que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas l'importance de la communion fraternelle. C'est-à-dire l'adoration dans l'Église, se déplacer, aller à l'Église. C'est une grande source de bénédiction. Même lorsqu'on est musulman, même les musulmans, quand vous demandez dans l'islam, on dit que vous allez remarquer que quand les musulmans prient, ils sont collés l'un à l'autre, ils sont serrés. Il n'y a pas d'espace à la mosquée entre deux musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si la communion, c'est être collé, barré, collé. Si tu laisses un peu d'espace, là, c'est fini. Le diable peut se mettre entre toi et ton frère. C'est pour ça que les musulmans prient toujours collés. Et ils croient que la bénédiction que tu reçois à la maison en priant n'est pas aussi grande que celle que tu reçois quand tu pars à la mosquée. Mais c'est une réalité, mes amis. C'est une réalité. La bénédiction que tu reçois à la maison ne peut pas être comparée à la bénédiction que tu reçois quand tu te déplaces pour aller à l'église. Non, tu ne peux pas comparer les deux. La bénédiction de l'église est supérieure à celle que tu reçois dans ta maison. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que les bénédictions que tu reçois à l'église sont des bénédictions éternelles. Or, celle de la maison, là, ça ne peut pas être comparé avec cela. Donc, il est important que chaque parent comprenne la responsabilité de se préparer en semaine pour aller à l'église. Cette semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous serons à la bille. Jeudi, vendredi, samedi, tous les soirs, à partir de 17h, nous serons à la bille pour le grand programme de brisement des limites spirituelles. Et dimanche, nous allons clôturer. Chacun vient avec sa bouteille d'eau. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Seigneur, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour tout. Ceux qui se connectent ce matin, je prie pour quelqu'un qui est en train de subir la sorcellerie. Seigneur, je t'en supplie, apporte la délivrance au nom de Jésus. Amen. Les choses que nous sommes en train de vous raconter, laissez-moi vous raconter une histoire. Parce que quand nous parlons de ces choses, c'est très sérieux. À chaque fois que vous me voyez en direct dans cette émission à la lumière des Saintes Écritures, c'est pour vous apporter la délivrance de la part du Seigneur Jésus, vous annoncer une année de grâce. Ça veut dire que lorsque la main de Satan agit contre votre vie, nous allons arranger cela par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je crois en la parole de Dieu. La Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et si quelqu'un ne croit pas aux œuvres de la sorcellerie, vraiment, je ne sais pas si c'est un être humain ou c'est de quelle race il appartient. Parce que la personne la plus bête comprend que le monde dans lequel nous vivons est régi par le monde spirituel, qui a deux dimensions. La dimension invisible, la dimension visible, la dimension spirituelle et la dimension charnelle. Chaque personne qui réfléchit, c'est-à-dire que tant peu qu'on réfléchisse, on se rendra compte qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère, dans l'invisible qui se passe et qui influence notre existence, qui influence nos vies, qui influence nos choix, qui influence nos destinées, qui influence notre pèlerinage sur la terre. Et il faut trouver un moyen pour contrôler l'invisible, contrôler le spirituel, afin d'avoir le contrôle sur le physique. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc ça, c'est important. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre qu'au-dessus de nous, il y a une guerre de pouvoir, une guerre de puissance. Et il faut prendre position. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est important. Hein? La Bible dit de veiller, de prier, parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais attention, cherchant qui dévorer, ça veut dire quoi? Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il est animé d'une grande colère. Et comme j'ai dit hier, la Bible dit l'Apocalypse, malheur à vous, malheur à toi terre, et à vous habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Donc, chaque croyant doit comprendre que, en fait, la vie chrétienne, c'est l'appel au combat spirituel. C'est prendre position pour Jésus-Christ et déclarer la guerre à Satan et se retrouver dans cette guerre-là au nom de l'Éternel des armées. Comme l'adage hébraïque le dit, Naphtolé Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Donc, un chrétien qui a la mentalité de civil, déjà ça pose un réel problème pour lui-même déjà et pour l'Église en général. Et un homme de Dieu qui ne croit pas au combat spirituel est un danger permanent pour l'Église. Il est plus dangereux que la bombe atomique, il est plus dangereux que les bombes nucléaires, il est même plus dangereux que la bombe Sarmat, Satan 2, de Vladimir Poutine. Un homme de Dieu qui n'enseigne pas l'Église dans le combat spirituel. L'enseignement de Jésus-Christ était ciblé
dans les défenses de position spirituelle, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Et vous vous souvenez, quand il va arriver dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, veillez et priez avec moi. Il dit aux apôtres, veillez et priez avec moi. Il s'éloigne et il prie. Une heure de temps, il vient, il trouve que les apôtres dorment. Il va encore, il prie encore. Une heure de temps, il revient, il trouve qu'ils sont en train de dormir. Il va encore, il prie. Et puis il dit, ah, vous n'avez pas pu veiller et prier avec moi une heure de temps. Vous voyez. Donc, vous regardez l'habitude de Jésus-Christ, la nuit, il se retirait pour prier. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il fallait terrasser les forteresses invisibles la nuit pour que la journée soit bonne. Et vous allez remarquer une chose qui est simple. Remarquez ce que je vous dis ici. Avant qu'on ne vienne sur l'histoire de la sorcière, c'est avant que je ne la présente. Parce que les gens pensent, quand vous nous voyez debout, moi si je serais mort depuis longtemps, si Dieu ne m'avait pas appelé, si la main de Dieu n'était pas sur moi, je serais mort depuis longtemps. Pourquoi Jésus allait sur les montagnes prier la nuit? C'est aussi pour cela que vous allez remarquer que pendant la journée, aucun démon ne lui résistait. Aucune maladie ne lui résistait. Aucun miracle ne lui était impossible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la nuit, il avait combattu contre Satan, il avait vaincu. C'est ça la réalité. Et dans le jardin, dans le désert où il était conduit pour être tenté, qui était le jardin d'Éden en réalité. C'était le jardin d'Éden. Parce que vous savez que dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, chapitre 2, je pense, lorsque l'homme et la femme sont chassés du jardin d'Éden, ils ne cultivent plus. Et le fait que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu ait abandonné l'homme, que l'homme ait abandonné le jardin d'Éden, ça montrait que le jardin d'Éden de l'homme était devenu un désert. Dans ce désert, c'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu l'a amené au désert. Il pouvait aller dans une prairie, dans une savane, dans une steppe, dans une forêt. Pourquoi Jésus-Christ a été conduit dans un désert? Pour montrer que ce qui était avant, un jardin potager, un jardin verdoyant, béni par la présence de Dieu, était devenu une terre aride et que toutes les plantes du jardin d'Éden étaient complètement détruites. Ça, c'est un langage spirituel pour des hommes spirituels. Voilà pourquoi Jésus-Christ va aller là-bas pour battre Satan, pour que la verdure du jardin d'Éden reprenne et que l'homme soit rétabli au milieu de son jardin d'Éden pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre jardin d'Éden. Chacun a été rétabli dans le jardin d'Éden qui est la présence de Dieu à travers la vie chrétienne par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Je suis dans mon jardin d'Éden aujourd'hui et je pars à l'arbre de la vie. Et Jésus-Christ a vaincu le serpent sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, j'ai été rétabli. Je suis un peu comme Adam et Ève dans leur jardin d'Éden à l'époque de leur obéissance à Dieu. C'est pour cela que nous sommes préservés. C'est aussi pour cela qu'on est protégés. Donc, un jour, je causais avec un homme de Dieu, avec prêcheur dans ma radio. Et quand il prêchait, il disait aux gens que le combat spirituel, parce que moi, je prêchais le combat spirituel. Et lui, il était contre le combat spirituel. Lui, il disait qu'il ne faut même pas prier. Il a pitié de ceux qui se réveillent la nuit pour prier, combattre les esprits ici, combattre les démons là-bas. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Jésus, par son sacrifice, nous a déjà tout donné. On n'a plus besoin de se lever, prier, lier les démons, chasser les démons, contre les maladies et tout cela. D'accord. Et je l'ai convoqué. Je lui ai dit que frère, vraiment, il ne faut pas qu'on dérange l'église. Il faut faire attention à ce que nous enseignons. Méfions-nous de l'enseignement que nous donnons parce qu'il y a des personnes qui sont fragiles, qui n'ont même pas encore la force de lire les Écritures, ou bien même qui lisent les Écritures sans comprendre, et qui dépendent des enseignements oraux, c'est-à-dire de la tradition orale dans l'Église, basée sur les prédications de telle ou bien de telle autre personne, et qui manquent de discernement pour discerner ce qui est fondé dans les Saintes Écritures. Je l'ai dit, même Jésus-Christ passait les nuits à prier. Maintenant, on veut faire comme Jésus. Et puis, toi, tu viens, tu enseignes à la radio que non, il ne faut pas se lever prier la nuit parce que Jésus est déjà mort sur la croix. Mais Jésus s'est battu. Mais jusqu'à la croix, il s'est battu. Jusqu'à ce qu'il rende son esprit au Père. Il s'est battu jusqu'à la dernière goutte de son sang. Alors, vous venez enseigner, toi, tu viens enseigner que le combat spirituel, c'est vain. Jésus-Christ a dit veillez et priez. Il dit priez sans cesse. Et l'apôtre Paul dit aussi priez sans cesse. Et la Bible nous enseigne de prier sans cesse. La Bible parle des apôtres qui allaient prier, qui avaient des heures de prière. C'était la 9e heure, par exemple, ou bien c'était la 3e heure. Donc, et toi, tu viens nous expliquer qu'il ne faut pas prier, parce que prier, c'est perdre du temps. Dieu est déjà mort sur la croix pour nous. Jésus est mort sur la croix. Je lui ai dit, mais il faut faire attention. Mais il n'a pas compris. Donc, j'ai dû arrêter son émission. Parce qu'il y a certains prédicateurs qui sont plus dangereux pour l'Église que le diable lui-même. C'est-à-dire que je préfère combattre Satan que de combattre une certaine catégorie de prédicateurs. Lorsque quelqu'un n'a pas été appelé ou n'est pas sûr du message que Dieu lui a donné ou n'a même pas reçu un message de Dieu, mais qui veut forcer
Alors là, ça poserait un réel problème pour l'Église. Il faut faire attention. Et vous, chrétiens, quand vous nous écoutez enseigner, allez vérifier la parole de Dieu. Si je t'ai dit qu'il faut prier le combat spirituel, il faut se réveiller la nuit pour prier. Alors toi aussi, va vérifier, est-ce que Jésus l'a enseigné? Est-ce qu'il nous enseigne de prier? S'il a dit oui, d'accord, ça va. Mais si tu vas, tu te rends compte que Jésus-Christ n'a pas dit de prier. Il a dit ne priez pas, dormez. J'ai déjà prié pour vous. Je suis à moi sur la croix pour vous. Ne faites aucun effort. Dans ce cas, n'écoute pas mon enseignement. Donc, n'écoutez pas les enseignements de manière bête. Vérifiez les enseignements. Vérifiez si chaque enseignement que vous recevez est fondé dans les Saintes Écritures. C'est un peu cela. C'est pour cela que nous sommes revenus. On est revenus, je pense, dernièrement, j'ai essayé de parler en ce qui concerne l'huile de faveur, en ce qui concerne certaines critiques que nous avons eues sur l'huile de faveur. Les gens demandaient que ce n'est pas biblique. Et je leur ai dit, s'il faut parler des choses qui ne sont pas bibliques, ce n'est pas parce que ce n'est pas biblique, ça veut dire que ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché. Il faut que les gens comprennent cela. Et puis, j'ai évoqué un certain nombre de choses. Voilà. Et la Bible, est-ce que la Bible nous permet de faire des directs? Est-ce que Jésus faisait des directs? Le direct que je fais, ce n'est pas biblique en réalité. Mais c'est que les gens sont parfois limités dans leur raisonnement. La vente de la Bible, ce n'est pas biblique. Il n'est écrit nulle part qu'il faut qu'on achète les Bibles par lesquelles nous avons l'enseignement de la parole de Dieu. Non. La Bible, il n'y a écrit nulle part dans la Bible qu'il faut acheter les cantiques. Ou bien que les musiciens chrétiens doivent faire des concerts. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans la Bible que c'est contraire à Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Nous avons besoin de prédicateurs matures qui comprennent les choses de l'esprit, qui comprennent la vie et qui comprennent comment le royaume de Christ fonctionne pour apporter un enseignement soutenu à l'Église pour que la foi des frères soit basée sur le roc qui est Jésus-Christ et non pas sur du sable mouvant. Donc, lorsque nous parlons du combat spirituel, vous lisez Nombre chapitre 23, le verset 23. Mes amis, nous avons tellement d'ennemis. Satan est ton premier ennemi. Ça, c'est clair. Les démons sont aussi des ennemis pour nous. En plus, les sorciers sont des ennemis. Quiconque pratique la magie noire est un ennemi pour un enfant de Dieu. Et j'ai dit une chose qui est très sérieuse. Écoutez-moi bien. J'ai dit une chose. Quel est le premier ennemi de Satan? C'est le chrétien. Quel est le premier ennemi des satanistes? C'est les chrétiens. Quel est le premier ennemi du franc-maçon? C'est le chrétien. Quel est le premier ennemi du rosicrucien? C'est le chrétien. Quel est le premier ennemi d'un sorcier? C'est le chrétien. Quel est le premier ennemi d'un marabout? C'est le chrétien. C'est ça en fait la réalité. Mon ami, nous sommes entourés d'une grande nuée d'ennemis. Et quand c'est comme ça, tu dors, ta vie va dormir. Et ce pasteur, cet homme de Dieu dont je vous parle, qui disait non, on n'a pas besoin de prier, ah, non, 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 c'est rien, Dieu combat pour nous, que lui dort la nuit, et les anges... Un instant, s'il vous plaît. J'ai dit, ok, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Parfait. Voilà, gloire à Dieu. Restons en ligne, s'il vous plaît. Vous allez voir que la luminosité est un peu partie. Je viens d'avoir une coupure ici. Donc, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, je parlais de cet homme de Dieu. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va s'attaquer à son ministère. Le diable va s'attaquer à sa famille. Le diable va s'attaquer à sa propre vie. Et le diable va entrer dans sa famille. Je suis sûr que l'homme-là n'a jamais prié de toute sa vie, comme cette époque-là. Mais finalement, le diable va détruire son foyer. Et il va se séparer d'avec sa femme. Ils vont divorcer. Et son ministère va se diviser complètement. Et il sera obligé de reprendre à zéro. Et c'est là qu'il aura appris à ses propres dépens que le combat spirituel est réel. La Bible dit « Frappe le berger et les brebis se disperseront ». C'est-à-dire que c'est Satan qui le déclare en fait. L'intention de Satan, c'est de frapper les bergers pour que les brebis se dispersent. Vous devez comprendre qu'être homme de Dieu, ce n'est pas les yeux. Ce n'est pas les yeux, mes amis. Les hommes de Dieu. C'est pour ça que vous allez remarquer beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts. La sorcellerie. J'ai été appelé pour l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-ci, il est sorti aller pour une délivrance. Lorsqu'il part pour la délivrance, qu'est-ce qui va se passer? Il revient. Il va délivrer une femme. C'est un enfant qui était mort. C'est un esprit de mort. Quand il est arrivé, le démon se soulève contre lui. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 2013 ou 2014, 2013. Il allait pour prier, délivrer une famille qui était hautement possédée par un démon.
par des esprits dangereux, des esprits qui n'avaient pas pitié, des esprits sanguinaires, assassins. Quand il est arrivé, la délivrance était tellement forte là-bas qu'il a failli mourir lui-même. L'esprit de mort qui chassait sur la famille est tombé sur lui-même. Lorsqu'il arrive donc chez lui, quand il arrive à la maison, son premier garçon qui court pour venir l'embrasser, papa, papa, tombe, pam, et il meurt. Et sa femme sort aussi. Dès qu'il voit sa femme sortir, allez, il prend la fuite. Il s'en va, il fuit. Il fuit pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'esprit de mort qu'il allait chasser dans la famille là est venu sur lui. Ça veut dire qu'au lieu de délivrer les gens, les esprits ont quitté les gens sur qui il allait délivrer. Il y a les gens qu'il allait délivrer et ces esprits sont entrés dans lui-même, l'homme de Dieu. Et ça fait que chaque personne qui s'approchait de lui mourait. Je ne dis pas que c'est une histoire racontée. C'est une histoire que j'ai vécue ici à Yaoundé. On est venu m'appeler qu'il y a un cas urgent, il faut prier pour l'homme de Dieu. Ça ne va pas. Il se cache parce qu'il a peur. Il a peur pour sa famille. Il a peur de perdre tous les membres de sa famille. Donc le combat spirituel est une réalité. Donc vous voyez l'histoire de la jeune femme-ci. L'histoire de la fille-ci. Mes amis, lorsque nous sommes à l'église, faisons attention. Les hommes de Dieu, nous avons besoin de l'esprit de discernement, le don de discernement des esprits. Un homme de Dieu qui n'a pas le don de discernement des esprits, son église sera dirigée par la divination, l'esprit de la divination et non pas l'esprit de la prophétie. Il y a beaucoup de pasteurs. Vous voyez, les églises où vous entrez, tout le monde dit ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, tout le monde est prophète. Ce genre d'église, l'expérience a montré qu'elle ne subsistera pas. Elle va se disloquer toujours. Il faut l'ordre. Même l'esprit de la prophétie est ordonné. Il y a un prophète dans l'église. C'est lui qui doit confirmer le ministère prophétique des autres. Et tout doit se faire dans une parfaite organisation. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira que s'il y a plusieurs prophètes qui ne se lèvent pas en même temps pour prophétiser, non, il faut organiser. Même le domaine prophétique, il faut l'organiser. Et il faut examiner les prophéties pour savoir si elles sont de Dieu. Ce n'est pas tout esprit qui te parle qui vient de Dieu. Il faut faire attention. Il faut la maturité. Il faut une certaine maturité. Un certain travail, parfois qui prend des années pour savoir et distinguer avec facilité la voix de Dieu à ta voix ou à celle de Satan ou à celle des hommes. Ça demande beaucoup de maturité. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans leurs églises qui sont dirigés par des esprits de Python, qui est le dieu de la divination. Python avec grand P. Ce n'est pas le serpent, en fait, c'est le dieu de la divination. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent encore, à la Bire, j'étais en train de rendre un ministère. Et j'ai vu une jeune fille. Elle tient le courant à l'église. Quand j'ai vu l'enfant là, le Seigneur m'a dit ça. Elle est en mission contre toi. Il y a des esprits en elle qui sont là en mission contre toi. Et je parle comme ça, tous ceux qui me suivent. Je ne veux plus la voir tenir le courant. Qu'est-ce que c'est sa délivrance? Elle est venue en mission. Il y a des gens qui sont venus en mission pour me tuer. Dans la chorale, qui sont entrés dans la chorale pour se rapprocher de moi. D'autres parmi mes leaders pour se rapprocher de moi. Mon ami, si tu es sorcier, je te connais. I know you, all of you, I know you. Je vous connais. I'm a prophet. Je ne suis pas un prophète aveugle. Dieu nous parle. Je vous connais. Tous les sorciers de Réma, I know you. Fais votre mission. Vous allez travailler pour nous. C'est pour ça que quand tu arrives, on te donne le travail, tu balais le sol. Tu viens, tu sers le Seigneur par obligation, by force, by fire. Aucun sorcier n'est caché devant moi. When I look at you, I know, I discern who you are in the spirit, in the realm of the spirit. Quand je vois, on n'est pas vu, mes amis. C'est pour ça que j'ai dit à Douala, que si tu penses, que si tu passes, je ne t'ai pas vu, c'est que tu te trompes. Tu ne connais pas à qui tu as affaire. C'est ça la vérité. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, mon ami. Donc, j'étais en train de rendre ministère, j'ai vu la fille là. Pam, l'onction sur elle. J'ai dit, ça c'est qui? L'onction sur elle, pam. Qu'est-ce qu'elle a commencé à dire? On va te tuer, on va te détruire, etc., etc. Des âneries, des bêteries, des bêtetés. Jusqu'à présent, je suis vivant. Je ne suis pas mort. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur ma vie. Si Dieu ne m'avait pas appelé en vérité, si tout ce que je raconte a été faux, et que le Seigneur ne m'était pas apparu réellement, mes amis, je pense qu'aujourd'hui, je serais mort. Le diable a tout fait. Les sorciers ont tout fait. Ça dit qu'il y a des gens qu'on ne mange pas dans la sorcellerie. Ma chère, là, c'est le ratatop die. You try, you die. You try, you die. You try, you die in the name of Jesus. Tu essaies, tu meurs. Si tu veux mourir, tu as tout fait, ça n'a pas marché. Ça dit que tu as essayé de te suicider. Non, ne saute pas d'un immeuble. Essaie de me manger si tu es sorcier. Tu sauras qu'il y a des gens sur qui la jalousie de Dieu réside. Donc, un autre jour, j'étais en train de rendre ministère à l'église. Et je vois une fille avec le protocole.
Elle a la banderole du protocole sur elle. Mes amis, écoutez bien. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Le lieu où il y a le plus de pratiques de sorcellerie, c'est l'église. Je fuis d'abord, je reviens. Voilà, je vais encore répéter. L'endroit où il y a le plus de sorcellerie, de pratiques de sorcellerie, c'est dans l'église. C'est l'église. C'est pour cela que vous allez remarquer dans notre ministère. Parce que ça, c'est les choses que les gens ne comprennent pas. En ce qui me concerne, vous allez comprendre ces choses. Je vais vous expliquer. On est dans le mois du combat spirituel et du brisement des limites. Vous allez remarquer que dans mon ministère, nous n'avons pas de département de femmes. Il n'y a pas un département d'hommes. Et il n'y a pas l'école du dimanche. Il n'y a pas l'école du dimanche. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'école du dimanche. Il n'y a pas la pépinière. Comme nous, on a grandi dans la pépinière, à la vraie église de Dieu, de Papa Nestor Toukeya, que j'ai même eu la grâce de voir cette nuit dans ma vision. Donc, pourquoi? Quelqu'un se poserait la question. Quelqu'un qui est habitué à ce système religieux et va dire que, ah, non, on voit qu'à Réma, il n'y a pas la communion. Et mes ennemis ont pris ça. Mes ennemis ont pris ça pour faire de ça une faiblesse pour moi. C'est-à-dire pour m'attaquer. Les gens ont dit non, dans l'église à Réma, il n'y a pas la communion, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Les églises où vous avez fait les groupes de femmes, les groupes des hommes, les groupes des enfants, l'école du dimanche pour les enfants, etc. là, le résultat, c'est quoi? C'est les divisions, c'est les calomnies. C'est ça la réalité. Le résultat, c'est quoi? C'est le désordre dans la maison de Dieu. Dans la Bible, il n'y a aucun fondement biblique, aucun modèle de l'église qui stipule qu'il faut que dans chaque église normale, il y ait un groupe de femmes, il y ait un groupe d'hommes, il y ait un groupe d'enfants. Ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas un modèle biblique. Donc, ça veut dire que c'est les hommes, certaines personnes, certains pères de l'église qui ont trouvé que ce système était fonctionnel. Peut-être qu'il a fonctionné pour eux. Mais moi, mon expérience n'a pas été positive avec ces groupes. Pourquoi? Parce qu'au début de mon ministère, nous avions tout ça. Il y avait le groupe des hommes, le groupe des femmes et le groupe des enfants. Mais je me suis rendu compte que l'église était déstabilisée. Pourquoi? Parce que la présidente des femmes de notre ministère à l'époque, c'est dans leur réunion de femmes qu'elle détournait les femmes parce que son mari était ce Mvogo dont je vous ai parlé. Donc, ils ont fait un coup d'état contre moi dans le ministère et c'est dans le groupe des femmes, le département des femmes. Comme je n'étais pas présent, c'était soit chez elle, soit chez telle autre femme. Et elle parle au cœur des femmes et ça a porté des ordres dans l'église. Tandis que son mari, qui tenait les réunions des hommes, et comme je suis le leader, je n'étais pas là-bas. C'est là-bas aussi qu'il a gagné les cœurs de plusieurs de mes leaders. Papa Dobby peut témoigner de ce que je dis. Il a détourné les cœurs de beaucoup de personnes. C'est dans ce groupe qu'il y a les calomnies contre les pasteurs. Qu'il y a des conspirations contre le pasteur. Au lieu que ça soit un groupe d'édification, si on rectifie l'enseignement du pasteur, on dit que le pasteur ne connaît rien, ah, il est illettré, vraiment il n'apporte rien à l'église, c'est là-bas en fait qu'on sabote les calomnies. Tel est monté, tel est descendu. Ces groupes-là font plus de mal aux églises que de bien. Et dans les groupes des enfants, ce que moi j'ai noté, et que le Seigneur a ouvert mes yeux pour voir, c'est là-bas que beaucoup d'enfants ont été contaminés par la sorcellerie. Parce que dans le groupe des petits-enfants-là, il y a plein de petits sorciers là-bas. Maintenant, si dans ta famille, vous n'êtes pas protégé, parce que vous ne priez pas assez, ton enfant n'a pas la sécurité qu'il faut, il va aller prendre la sorcellerie dans ton église. C'est à l'église qu'il va prendre la sorcellerie. Un petit sorcier va venir à l'église là, avec le pain, avec la viande. Tu vas penser que c'est la viande de bœuf. Pourtant, en réalité, c'est la chair humaine qui est dans son pain. Et c'est comme ça qu'on traduit, on donne la sorcellerie, on contamine ton enfant avec la sorcellerie. C'est pour cela que les parents qui jouent avec l'huile de faveur dans notre ministère, vraiment vous êtes inconscients. C'est tout ce que je peux trouver. Vous êtes inconscient. Normalement, ton enfant, tu dois le oindre de l'huile de faveur. Tu dois avoir ta bouteille d'huile de faveur. Tu l'as l'utilisée. J'ai les bouteilles d'huile de faveur partout.
Dans chacune de mes voitures, dans mon sac, j'ai toujours ma bouteille d'huile de faveur. Partout, quand ma fille va à l'école, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Jimmy m'a va à l'école, ça, vraiment. Parce qu'après, vous allez pleurer. Oh, mon enfant, je ne comprends plus l'enfant. L'enfant est devenu autre chose. Bien, ma famille, ma vie est bloquée. Ma vie, non, mon ami. Quelles sont les mesures que tu prends? On parle de l'huile de faveur à l'église. Tu ne prends jamais ta bouteille d'huile de faveur. Tu es un parent. Tu ne peux pas avoir les yeux ouverts pour suivre ton enfant, pour découvrir et discerner que non, l'enfant, c'est en danger ici. Je dois veiller sur mon enfant. Mes amis, laissez-moi dire une chose. Jemima, chaque matin que Dieu a créé, chaque matin, je répète encore, chaque matin que Dieu a créé, lorsque on se réveille, elle va chez sa tante, maman Mireille. Mireille la prépare, la lave, lui brosse les dents et la bine. Elle revient chez moi, elle toque ma porte, j'ouvre ma porte, elle vient chez moi, je la oint d'huile, je mets ma main sur sa tête et je prie pour elle. Je protège sa journée. Je la bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'un sorcier n'a pas de pouvoir sur elle. Je déclare que la main de l'Éternel la préservera. Que le Dieu de son père soit son gardien. Oh, que l'œil de Dieu ne quitte jamais sa vie. Que toute personne qui osera attaquer sa vie à l'école, que les anges de mon ministère combattent cette personne. Chaque matin, c'est une habitude. Jemima sait qu'elle ne part pas à l'école, la voiture ne démarre pas, tant qu'elle ne vient pas recevoir la bénédiction de son père. Chaque matin. Et je vous ai raconté une histoire. Ce n'est pas une histoire de pasteur, hein. Ce n'est pas une histoire d'homme de Dieu. C'est une histoire de compréhension. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Beaucoup de parents ont vu détruite la vie de leurs enfants par leur propre responsabilité et par leur négligence. L'enfant ne connaît rien. C'est ça la vérité. L'enfant ne connaît rien. Toi, tu peux avoir l'huile de faveur. Tu joues avec. Tu es chrétien, tu es dans notre ministère, tu n'as pas l'huile de faveur. À l'église, tu veux-tu que l'huile de faveur? Tu dépenses d'énormes sommes sur tes mèches, tu dépenses sur tes habits, tu dépenses, mais pour ta propre sécurité et le destin de tes enfants, mes amis, tu prends ça à la légère. Et c'est comme ça que nous détruisons la vie de nos enfants, nous nous rendons coupables devant l'Éternel d'un péché, d'un grand péché. Faut faire attention. Vous savez, je vous ai raconté une histoire. J'ai failli perdre Jemima. Moi, prophète de Cané Ferdinand, c'est-à-dire pour qui les gens ont un grand respect, une grande considération. Si je dis même ça, il y a des gens même qui seront même blessés. Il y a des gens qui vont dire, non, comment le prophète Cané peut dire que sa fille a failli mourir? Mais oui, mes amis, ma fille a failli mourir. J'ai failli perdre Jemima. Ça, c'est la réalité. J'ai failli la perdre. À cause de la sorcellerie, j'ai failli la perdre. Pourquoi? Parce que c'est les principes. Tu respectes les principes, tu es protégé. Tu ne respectes pas, tu n'es pas protégé. C'est des principes qu'on ne vous montre pas. Qui que tu sois, c'est ça que tu peux voir un homme de Dieu. Sa famille est frappée. Ses enfants sont frappés. Son ministère est frappé lui-même. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas en santé. Regardez, la manière dont je travaille, beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu commences là, ça va t'abîmer. Ça va t'abîmer complètement. Alors, vous savez, Jemima a failli mourir 3 fois. Elle a failli mourir 3 fois. La sorcellerie. C'est moi qui vous parle. Elle a failli mourir 3 fois. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a permis de comprendre l'éphémère de la vie. Parce que je sais qu'il y a des choses que, il y a certains hommes de Dieu qui ne peuvent pas vous dire certaines choses. Parce qu'ils ont peur de leur gloire, leur réputation. Vraiment, je m'en fous de cela. Parce qu'il faut que tu comprennes que je suis un homme comme toi. Que les combats que tu as là, moi aussi j'ai ça. Si tu vas aux toilettes, je vais aussi aux toilettes. Si tu as faim, j'ai aussi faim. Si tu as soif, ne faut pas me voir comme Dieu. Parce qu'en fait, je suis un homme de la même nature que vous. Donc, ces principes que je vous enseigne, moi-même, je les mets en pratique. L'huile d'onction, c'est pas parce qu'on appelle l'huile de faveur. Non, en fait, c'est l'huile d'onction. C'est une huile consacrée à Dieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ y est invoqué. Et donc, elle devient très efficace. Elle est très efficace. Parce que le nom de Jésus. Et puis, l'huile est la chose la plus forte que Dieu a donné à un prophète. Il y a la corne et l'huile. L'huile est redoutable. Le ministère de l'huile dans la foi chrétienne est très fort. Jésus en envoie ses apôtres, leur donnait de l'huile. Il les envoyait avec de l'huile. Et la Bible dit que les démons étaient soumis, les morts ressuscitaient grâce à cette huile. C'est pour cela que même après la mort de Jésus, les apôtres vont donner une grande importance au ministère de l'huile. Et Jacques le dira, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc ce n'est pas l'huile en fait qui a une puissance en elle. Mais c'est le nom du Seigneur qui est invoqué dans cette huile. Donc ne me demandez pas pourquoi le Seigneur passe par l'huile. Et non.
Mais je sais une chose, c'est que l'huile de faveur est une arme redoutable, que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où, les gens connaissent ce que Dieu a fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, mon ami est sorti avec l'enfant. Elle m'appelle. Elle dit que voici ta fille qui est en train de mourir. Voici ta fille qui est en train de mourir. Et je prends la voiture, je vais, et je trouve justement que l'enfant ne respire plus. On prend l'enfant, on court, on arrive à l'hôpital. On lui fait tous les examens après, on la réanime, elle revient en elle, mais on fait tous les examens, on a fait tous les examens. Le cerveau, le cœur, ou c'est l'ECG, ou c'est quoi là. On a mis les appareils sur elle partout. On a trouvé que l'enfant était en parfait état. C'est pour ça que les maladies mystiques ne se voient même pas dans les microscopes, mes amis. On ne voit pas ça dans les microscopes. Quand tu subis une maladie mystique, quand c'est une attaque, elle est invisible au microscope. On va te faire un bilan de santé, on ne trouve rien. Mais tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie. Ça ne va pas. C'est ça la réalité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va la réanimer, elle va revenir en elle-même. Et puis, la deuxième fois, cette fois-ci, je suis là, moi-même. Nous sommes sortis avec mon mari et l'enfant et avec une de ses tantes. Nous sommes allés pour acheter le poisson braisé. Et c'est moi qui portais l'enfant, je pense. Ou c'est sa tante qui la portait. Elle a regardé dans une direction, comme si elle avait vu quelqu'un ou bien des gens qui étaient très effrayants. Elle a crié, aïe! Pam! Elle est tombée dans les pommes. Pam! Elle a perdu connaissance et elle mourait, elle rendait l'âme. Voilà comment nous quittons encore en fracas. Je prie sur elle, je prie. Nous quittons en fracas de l'endroit où on vendait le poisson braisé pour l'hôpital. On arrive encore à l'hôpital, on refait les examens, on refait les examens, on ne voit rien. La troisième fois, elle sort avec sa mère, avec une de ses tantes. Je ne sais pas où elles étaient allées, je ne me souviens plus trop. Et sa mère m'appelle en pleurant. Elle-même n'arrivait pas à s'exprimer bien au téléphone. Elle se met à pleurer. Elle me parle au téléphone. Viens rapidement. Vous êtes où? Elle m'indique où elles sont. Et je parle. Elle ne parle qu'au téléphone. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que mamie avait perdu connaissance et l'enfant était inerte. Maintenant, j'avais deux cas et en pleine route. Et tout le monde me connaissait. En pleine route. Et les gens avaient même peur de s'approcher de moi. On se demandait qu'est-ce qui arrive au prophète du Canaan. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai porté la mère, je l'ai mise dans ma voiture. J'ai porté l'enfant, j'ai mis dans ma voiture. J'ai appelé le frère Napi à l'époque. J'ai démarré la voiture. On arrive, on va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, dans la voiture, je bavarde. Je gronde mon mari, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux me faire comme ça là? Comment l'enfant, parce que pour elle, son enfant, c'était son espoir, son dernier espoir. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas accepter, concevoir même seulement qu'elle perde sa fille. Elle ne pouvait pas concevoir cela. Donc elle a vu l'enfant mourir. Elle aussi, elle mourait en fait. Elle mourait. Quand je dis qu'elle mourait, c'est une réalité. Elle ne respirait plus et puis c'est le blanc. Et puis je la tapotais dans la voiture, je lui disais que, mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? C'est normal, c'est gentil ça. Comment l'enfant est malade? Toi, au lieu d'être la force pour l'enfant, toi-même tu t'en vas comme ça, tu es en train de t'en aller comme ça. En fait, en quoi est-ce que tu m'aides? En quoi est-ce que tu aides l'enfant? En quoi est-ce que tu nous aides? Et puis je parlais comme ça et je conduisais avec une main. Je la tapotais avec l'autre main et je tapotais aussi Jemima avec l'autre main. On est arrivé à l'hôpital de la Caisse. Lorsque j'arrive à l'hôpital de la Caisse, je ne sais pas qui je vais descendre en premier. La mère ou l'enfant. On a d'abord pris la mère. On l'a envoyée. Et puis on a pris l'enfant. Réanimation, réanimation, réanimation. Après 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, mamie est revenue en elle-même. Et Jamie m'a aussi revenu. Alors là, j'ai compris que c'était quelque chose de très sérieux. Et cet événement est arrivé après quoi? C'est arrivé après que, pour ceux qui se souviennent, après un culte au palais de congrès, où une jeune femme sorcière a dit que dans la sorcellerie, nous avons dit qu'on va manger Jemima. On va tuer Jemima. Je pense que si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, vous pouvez dire ça en commentaire. Et donc, je vais donc rentrer en prière. Je vais en prière. Vous savez, il y a des problèmes qui nous arrivent et qui persistent. Parce que quand ça commence, tu ne pars pas dans le conseil de Dieu. Tu ne te retires pas. Peux-tu te dire, non, c'est normal, ça va passer. Non, mes amis. Dès que tu vois les premiers symptômes, les premières manifestations, entre dans le conseil de Dieu. Dieu te donnera une parole, une orientation. Donc, c'est la troisième fois que je me rends compte que c'est dangereux. Et je vais donc dans le conseil de Dieu. Pendant que je suis en train de prier Dieu pour lui demander, Seigneur, comment est-ce que ma fille et mon épouse peuvent mourir? C'est pas possible. Comment est-ce que Satan peut toucher ma famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la faille? Où est la fissuration? Où est-ce que je n'ai pas été attentif? Et c'est là, pendant que je suis à genoux, que la parole de l'Éternel m'est adressée. Et Dieu me dit, est-ce que tu n'as pas remarqué que chaque fois où ta fille a failli mourir, c'est dans telle voiture. C'est dans telle voiture. Chaque fois qu'elle est sortie avec cette voiture-là, elle a failli mourir. Mais quand elle est dans les autres voitures, elle n'a pas de problème. Et là, le réma vient. Et Dieu me dit,
La voiture là, lorsque tu l'as achetée, tu n'as pas oint avec l'huile, tu n'as pas invoqué mon nom sur ta voiture. Parce que quand j'achète les voitures, je prends l'huile de faveur, je verse sur la voiture, je la consacre. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur cette voiture contre les accidents maléfiques, contre les pannes maléfiques. Parce que Satan peut passer par ta voiture pour t'appauvrir. Il attaque ta voiture avec les pannes, les maladies des voitures, les pannes, et il t'appauvrit. Donc j'ai prié au nom souverain de Jésus. Quand le Seigneur m'a révélé cela, c'est où j'appelle mon ami, je lui dis, attends, est-ce que tu as remarqué que dans toutes les autres voitures où tu sors avec l'enfant, elle n'a jamais perdu connaissance, sauf dans celle-là. Elle me dit, oui. Et je lui ai dit, la voiture n'a pas été consacrée à Dieu. Au lieu de consacrer la voiture à Dieu, j'ai même sorti ça de mon parking une fois. Je m'en suis débarrassé. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans, elle n'a plus jamais perdu connaissance. Jamais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait une porte ouverte dans ma maison, dans ma famille. Donc, bien-aimés, faisons attention. Le combat spirituel est une réalité. L'affaire que je veux partager avec toi est une affaire qui a failli me coûter la vie si Dieu n'était pas avec moi. Ne négligez rien. Lorsque tu te rends compte qu'il y a quelque chose, il y a une attaque dans ta vie, va dans le conseil de Dieu, il va te dire ce qui se passe. Il va te dire où tu as manqué ton devoir. Donc, tu dois avoir ton huile ointe, tu dois avoir ton huile sainte à la maison. Oignez vos maisons. Ouais. Même quand tu entres dans une maison de location où tu arrives, première chose, oignez la maison. Ton terrain, oignez ton terrain. Prends ton huile de faveur, verse dedans. Même au marché, quand tu arrives le matin, oignez toi parce que tu ne connais pas ce que les gens sont capables de faire ici dehors contre d'autres personnes pour avoir l'argent. Donc l'histoire, c'est quoi? Alors, j'arrive à l'église. C'est une jeune fille qui est avec nous dès le début du ministère. Lorsqu'un sorcier en mission contre ta vie, il peut patienter pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'au jour où il aura la faille pour te frapper. Il y a des sorciers encore dans mon ministère que je connais, qui sont avec moi, ça fait au moins 8 ans aujourd'hui, qui travaillent avec moi. Ils ne savent pas que je sais. Mais nous nous regardons. On se regarde. Mais je sais qu'ils sont en mission contre ma personne et je me ris d'eux en fait. Donc, la fille, c'était dans la jeunesse de Réma. Elle était très active dans l'église, très zélée, très engagée dans le ministère. Ça veut dire partout, elle était toujours distinguée, la number uno. Elle était toujours distinguée. Tu ne peux pas imaginer que la fille est sorcière, non. Est-ce qu'un sorcier va venir te dire que je suis sorcier? Non, mes amis. Tu ne pouvais pas imaginer que la femme là, la jeune femme là, était une sorcière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un samedi, nous étions en 2014. À l'époque, l'église était au niveau d'éleveur. Je vais arriver à l'église dimanche et je veux m'asseoir. Mes enfants, le révérend Samuel, le révérend Benjamin, si je pense, vont venir m'arrêter. Non, papa, papa, ne vous asseyez pas sur votre chaise. Et je leur demande pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je m'asseye sur ma chaise. Et ils me montrent la sœur à côté, ma fille, engagée dans l'église, engagée dans tous les départements, les très, très zélée. Le plus souvent, les sorciers sont les plus zélés. Les agents de Satan dans nos églises sont les plus zélés parce qu'ils veulent attirer l'attention du pasteur, l'attention de l'homme de Dieu. Il faut être prudent. Faites attention à ceux qui sont trop zélés. Vous savez, il y a des gens qui pensent que leur présence est indispensable à la survie de l'homme de Dieu. Mes amis, vous vous trompez. La survie d'un homme de Dieu dépend du Dieu qui l'a appelé. Les personnes qui sont même indispensables aux hommes de Dieu ne font pas des boucans. C'est pour cela qu'il y a des gens dans mon ministère qui sont là depuis 10 ans, je ne les connais pas, je ne connais pas leur nom, même leur visage, je ne remarque pas, mais qui sont là, qui viennent, qui prient vraiment pour moi. Ce n'est pas ceux qui font les bruits là, qui sont vraiment des personnes sérieuses. Hein. La preuve, moi, ce que j'ai eu comme expérience, c'est que ceux qui font trop de bruit dans les églises là disparaissent aussi comme ça. T'as quelqu'un vient, oh, il veut monter, c'est lui, oh, sans lui, oh, oh, c'est moi le soutien du pasteur, oh, je défends le pasteur, pam, un jour ça va s'éteindre comme ça, il faut faire attention. Donc, la jeune fille, on m'arrête, donc mes enfants m'arrêtent. Ils me brutalisent même à la limite. Je dis, papa, ne vous asseyez pas sur la chaise. Pourquoi? Et ils me disent que la fille, si, avant que les gens n'arrivent à l'église, elle est montée sur l'autel où vous vous asseyez. Et elle s'est assise sur votre chaise. Elle s'est assise sur votre chaise. Elle a fait des incantations en pleine église. Elle a fait des incantations. Et nous, la surprise, quand elle s'est levée, on l'a attrapée. Et nous lui avons demandé, qu'est-ce que tu faisais sur la chaise de papa? Et on l'a menacée. Et c'est là qu'elle a confessé, elle a ouvert son cœur. Elle a dit à mes enfants qu'en fait, toute la nuit du samedi, elle a été préparée dans la sorcellerie. Écoute bien l'histoire-ci. Elle a été préparée dans la sorcellerie. On l'a menée dans l'organisation des sorciers. Toute la nuit,
On a travaillé sur elle. Des incantations contre moi, des invocations contre moi, disant que dès que ça soit sur la chaise, je m'assois, je meurs. Et elle est donc venue le dimanche, elle s'est assise sur ma place. Et elle m'a dit, j'étais en plein culte maintenant, tout le monde était là. Tous ceux qui étaient à Éleveur peuvent se souvenir et confirmer ce que je suis en train de raconter. Elle a dit en plein culte que depuis des années là, elle est en mission contre moi. Elle cherche une faille. Et qu'on lui a dit, soit elle me tue, soit elle devient folle ou elle meurt. Et je lui ai répondu en plein culte que tu vas choisir toi-même entre la mort, ta propre mort et la folie. Il faut que tu choisisses. Parce que moi, vous ne pouvez pas. Le sorcier, je vous méprise. Je vous méprise complètement. Ma faiblesse est plus forte que vos pratiques. C'est ça la vérité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette fille va nous faire des confessions terribles. Elle va donc, le culte qui suit, elle va venir avec des mèches. Elle va nous expliquer qu'ils attaquent souvent les gens dans les couches de nuit, les rêves. Ils entrent dans les rêves des gens pour leur faire du mal, donner des maladies, des malédictions, proclamer des imprécations, apporter des maladies ou bien la mort subite ou la mort précoce, etc. Produit des accidents, etc. Des kystes, des myomes aux femmes. Elle nous a expliqué que ce sont eux qui sont responsables de faire les couches de nuit aux gens. Alors elle a apporté les feuilles. Il y a des feuilles qu'on a souvent à côté des rivières africaines, pour ceux qui sont en Afrique, qui comprennent un peu ce que je suis en train de dire. Il y a des larges feuilles. On peut souvent le ndolé. C'est un mets. Hein? Oui, mais le ndolé. Non, pas le ndolé. Comment on appelle ça? Il y a le mets de pistache là. Donc, on peut souvent le mets. C'est un mets africain. C'est des larges feuilles comme ça, on emballe avec. Mais le couscous, parfois, c'est sur ces larges feuilles qu'on met. On met dans la marmite. Et ça conserve bien le couscous. Donc, elle a apporté ces feuilles. Elle a apporté du pain. Elle a porté des mèches. Quand vous voyez les mèches là, c'est comme si la tête d'une folle qu'on avait rasée. Elle a couvert. Elle dit qu'on couvre. Elle a couvert son visage à l'église devant tout le monde. Elle a dit que quand nous mettons cette mèche là, quand on est dans ton rêve, tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi ou bien abuser de toi ou te donner à manger, mais tu ne remarques pas la face de la personne parce que nous couvrons avec cette mèche maléfique. Et elle nous a montré le pain, que c'est ça qu'ils utilisent comme repas de nuit, mais ça sur des feuilles, pour nourrir les gens. D'autres tu manges, la maladie entre en toi. D'autres tu manges, tu meurs. D'autres tu manges, après tu as des kystes, des fibromes. D'autres tes trompes sont bouchées. D'autres tu manges, ton mariage se gâte. D'autres tu manges, ton fiancé te quitte, tu ne comprends pas. La personne que tu aimais t'abandonne sans que tu n'aies rien fait de grave. Ou bien toi-même tu commets des erreurs bêtes, poussées par les sorciers. Elle nous a confessé tellement de choses. Et ce jour, j'ai dit à la jeune femme, je lui ai expliqué que, ok, maintenant, est-ce que... qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à l'église, qui peut venir prier pour elle? Qui peut la délivrer? Ah, Jésus, Jésus est Seigneur. Quand la Bible dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, c'est réel, mes amis. J'ai demandé à l'église, qui peut venir prier pour cette femme et chasser l'esprit de sorcellerie? Il y a une de mes filles qui s'est levée. Elle était journaliste à la CRTV à l'époque. Maman Abiba. Elle s'est levée. Elle a dit en pleine église, hein, ce que je raconte, il s'est passé en 2014, en plein culte. Plein culte. Elle est venue. Elle a tendu la main sur la jeune fille. Elle a tendu la main. Quand elle tend la main sur la jeune fille, la fille la regarde dans les yeux. La sœur-ci dont je vous parle est sortie de l'église en fuyant. Elle est sortie en fuyant. C'est le protocole qui allait l'arrêter hors de l'église. On l'a ramené à l'église. Et je lui ai demandé pourquoi tu fuyais. Elle m'a dit, papa, quand je l'ai regardé, quand elle m'a regardé, c'était un monstre. J'ai vu la tête d'un monstre effrayant. C'est pour ça que j'ai fui. J'ai dit à l'église, vous voyez, le combat spirituel, quand nous chassons les démons, si vous pensez que c'est les jeux, tu acclames seulement comme si c'était de rien. Mes amis, c'est des combats redoutables que nous menons pour vos familles. Lorsqu'un homme de Dieu entre dans ta famille, il porte sur lui tous les démons de ta famille. Si le Gadaranais avait 2000 démons et que chaque membre de ta famille a 2000 démons en mission pour détruire sa vie, vous êtes 10. Ça fait combien de démons? Plus de 20 000 démons derrière ton pasteur. Et vous insultez les pasteurs, vous manquez de respect au pasteur, vous médisez les pasteurs, vous approchez, vous accrochez sur certaines de leurs faiblesses, vous oubliez le sacrifice, leur vie qu'ils mettent en danger pour vous, mes amis. Tu sais que quand tu viens avec une maladie, la causée par un démon, lorsqu'on veut te délivrer, lorsque tu attaques un lion, le lion a attrapé une proie. Tu pars pour arracher la proie, libérer la proie. C'est pas toi qui deviens la proie du lion. Mais c'est la même chose. Lorsqu'un homme de Dieu entre dans une famille pour prier, que ce soit pour le mariage, vous pensez que les démons de célibat là sont contents? Ou vous priez pour briser les limitations spirituelles, vous pensez que ces démons qui vous ont limité sont contents? Ils se tournent contre le pasteur et sa famille. C'est ça la vérité. Vos combats deviennent nos combats. Nous portons vos combats. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, la Bible dit que le souverain sacrificateur avait ce qu'on appelait le pectoral.
Le pectoral, c'est-à-dire portait sur ses épaules les péchés du peuple. Il portait le péché, c'était le poids de la responsabilité qu'il portait devant Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Chaque homme de Dieu porte la responsabilité des combats spirituels de son peuple. À chaque fois qu'un lion s'attaque à une brebis de ton troupeau et que tu t'attaques à ce lion pour délivrer la brebis, tu deviens la cible numéro un de l'ours ou bien du lion, toi et ta famille. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Si vous avez compris ces choses, vous ne parleriez pas de vos pasteurs avec légèreté. Je parle des vrais hommes de Dieu qui travaillent tous les jours de leur vie à votre salut. Donc la jeune fille a dit que soit elle va mourir ou elle va devenir folle. Et elle va faire quelque chose que je n'oublierai jamais. Quelque chose qui va renouveler toujours ma confiance en Jésus-Christ et me faire comprendre que la grâce de Dieu est dans ma vie et que son alliance est réelle pour ma vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soulevé sa robe. Devinez ce qui était sous sa robe. Elle a soulevé sa robe, mes amis, en plein culte. Elle a soulevé sa robe. Elle nous a montré son dos. Il y avait une cicatrice, une longue cicatrice, comme si on avait coupé avec un couteau. Et c'est là qu'elle confesse qu'un jour, elle et son chef dans la sorcellerie étaient en train d'invoquer mon esprit. Ils ont invoqué mon esprit pour me poignarder et me lancer une maladie mystique. C'est-à-dire qu'on fait, et elle dit qu'il y avait une calebasse, il y avait de l'eau dedans. Et quand ils ont fait les incantations, les invocations, je suis apparu dans le canarier, dans l'eau. Et j'étais à genoux en train de prier. J'étais en train de prier. Et elle a dit à l'église que lorsque mon image est apparue dans cette eau, bam, le canari a explosé, a coupé le nez de son patron en deux. Et un morceau du canari est venu et a coupé son dos, le sang. Son patron est tombé là-bas, pleurant son nez. Et elle est tombée, pleurant son dos. Alors, la maman, si souvenez-vous de la maman qui a prié. Hein? Les gens disent vérité, prophète, je pense que ça c'est les gens qui étaient là. Hein, c'est Van, Elie, Marie. Et ça, c'est les gens qui étaient là, certainement. Donc, la maman, c'est qui a prié. Cette femme qui a prié pour cette jeune fille, chasser l'esprit de sorcellerie. Maintenant, imaginez-vous ce qui lui est arrivé après. Imaginez-vous ce qui lui est arrivé après. Bien-aimé, si quelqu'un se présente au nom du prophète Karim Ferdinand, il vous écrit sur Messenger, vous envoie les invitations. Je n'envoie pas d'invitations aux gens. Ça, c'est le miracle qui accompagne les faux profils en mon nom. Je n'envoie pas les invitations aux gens. Et en plus, je ne demande pas l'argent aux gens, les offrandes, ou l'huile de faveur, ou n'importe quoi. Sur Messenger, Facebook, non, non, non. C'est à l'église. L'huile de faveur se trouve juste à l'église. C'est à l'église. J'avais un membre de famille envoyé dans l'une de nos églises. Ce n'est pas sur Facebook. Méfiez-vous, c'est des voleurs. Donc, cette maman journaliste, le culte est fini. Tout le monde rentre chez lui. Après, je reçois son coup de fil. Elle me dit, prophète, venez rapidement, je suis en train de mourir. Voilà comment je cours chez elle. Quand j'arrive chez elle, bien-aimée, je la trouve déshabillée, le torse nu. Son dos brûlé. Et le devant ici brûlé. Son sein brûlé. Le dos brûlé. Quand je dis brûlé, ça veut dire, vous voyez, quand vous versez l'eau chaude ou quand le feu vous brûle, la peau se soulève, il y a de l'eau à l'intérieur, il y a un liquide à l'intérieur. C'est comme ça qu'elle était. Donc, elle était brûlée. Et quand j'arrive, elle ne pouvait pas marcher. Elle était finie. Elle se met à pleurer. Elle me dit, j'ai vécu quelque chose ici. Elle met les mains sur la tête. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Ta vie ne donne pas. Tu te dis, non, c'est un hasard. Les hommes t'abandonnent à ton âge. Tu n'arrives pas à te marier. Je dis, j'ai le temps. Tu as le temps. D'autres se sont mariés avant toi. Tu as le temps. Jusqu'à l'âge, si tu n'as jamais acheté un terrain. Tu n'as jamais construit une maison, tu te dis non, c'est le temps, non, c'est normal. Non, mes amis, la main du diable peut être derrière ta vie et tu ne le sais pas. 99% des problèmes que nous avons viennent de Satan, viennent de la sorcellerie, viennent du monde maléfique. Elle dit que lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a ouvert la porte de sa maison. Quand elle a ouvert la porte de sa maison, qui est-ce qu'elle a vu? La jeune fille de l'église, la sorcière. Pas qu'elle rêve, pas dans les rêves. Pas dans les rêves. Mais les appels vidéo qu'on vous fait sur Messenger à mon nom, ils prennent mes images, mes photos. Demandez-leur de causer avec vous 5 minutes. Parce qu'ils vont vous faire une image floutée là, qui va arriver là, et puis, écoute, il dit que ce réseau. Dis-lui que je veux parler. Si tu m'as déjà appelé, je vois les commentaires. Si quelqu'un vous appelle à mon nom, appel vidéo, dis-lui qu'on cause 5 minutes. Et que vous regardez ses lèvres. Si ce que vous dites là, c'est ce qui revient aussi. Donc c'est un peu ça. Quand il ouvre la porte de sa maison, la jeune fille qui était à l'église,
Elle attendait dans sa maison, fermée. La fille était dans sa maison. Dans sa maison, sans clé. Elle n'a pas ouvert de porte, elle était dedans. Et la fille lui demande, lui dit ceci. Je t'avais dit à l'église que ce combat c'est entre moi et le prophète. Tu es venu mettre ta bouche dedans, pourquoi? Maintenant le prophète est où? Nous sommes à deux. La fille a fait ça, pam! Elle lui a lancé quelque chose, pam! Du coup, pam! La fille a disparu. Et c'est là que son dos a eu la brûlure sur place, de manière instantanée. Qui dira que la sorcellerie n'existe pas? C'est ceux qui n'ont pas encore été touchés. Ceux qui n'ont pas été frôlés par la sorcellerie. Ceux qui n'ont pas encore été attaqués. Mais quand vous serez attaqués, vous nous chercherez. Ça, c'est la réalité. Bien-aimé, je veux prier avec toi ce matin. Parmi tes amis, tous ceux qui sont des sorciers doivent être exposés. Dans ta maison, dans ta famille, ton lieu de travail, partout. Je vais libérer une notion de protection divine. Une notion de dénonciation de sorciers. Si quelqu'un est compliqué, il ne va plus résister avec toi. Il ne va plus résister. Si même s'il était dans ta maison, il va prendre ses bagages et partir. Dès que j'ai fini la prière de ce matin. Dès que j'ai fini la prière de ce matin, la personne va... Ah non. La personne va partir. Prends ton eau. On ne va pas boire l'eau. On ne boit pas. On va laver la face. Tu vas juste laver ta face. Tu laves ta face. Une onction puissante va tomber sur ta vie maintenant. Mais si c'est ton patron qui est sorcier, il aura chaud. Prépare-toi. Vraiment, si tu n'es pas prêt, ne fais pas cet acte prophétique avec moi. Parce que si ton bailleur est sorcier, s'il te plaît, prépare ton sac. Prépare tes valises. Prépare tes valises. Parce qu'il y a les gens que leurs bailleurs vont chasser. Quand je fais la prière ici, au nom de Jésus. Tu prépares ta valise. Parce que ton bailleur, s'il est sorcier, risque de te chasser. Si ton patron est sorcier, risque de te chasser du travail. De la prière, si vraiment, si tu n'es pas prêt à perdre ton travail, si tu n'as pas encore des économies qui te permettent de prendre une autre maison, s'il te plaît, ne fais pas la prière ici. Si l'homme qui est avec toi, qui est ton sponsor là, c'est un sorcier, et qu'il est en train d'utiliser tes chances, utiliser, je sais pas, tes parties intimes pour faire des incantations, faire des cotisations dans la sorcellerie, il est en train de sucer ton étoile. Bien-aimé, il va t'abandonner et tu risques de te retrouver à la rue, madame. Donc, si tu n'es pas prête pour ça, ne prie pas cette prière avec moi. Cherche ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau. Maintenant, je vais déclarer. La parole de Dieu va se manifester. Au marché, si tu as un ami, une amie qui est sorcière, qui est une ennemie intime, que tu pensais être un ami intime ou une amie intime, la personne va te bloquer. La personne va te fuir. Je le dis en 24 heures. Cette prière doit agir pendant 24 heures. J'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, j'ai 35 ans. Donne-moi ton sujet. Quels sont les domaines de ta vie où tu penses être bloqué? Envoie-moi sans commentaire. Je veux prier sur l'eau. Tu vas laver juste ta face trois fois. Et nous allons voir ce qui va se passer. Nous servons le Dieu des prophètes, le Père des esprits des prophètes. Quand on lave la face, là, ça veut dire que tout ce qui a été fait contre moi, Seigneur, tout ce qui a été fait dans la sorcellerie, contre ma vie, pour bloquer ma face, ternir ma destinée, la face, c'est l'image de ta destinée, l'image de ta vie. On va laver la face. De si tu as le make-up, tu peux garder ton eau, tu laves la face après. Je prie sur ça dans tous les cas. Après, quand tu enlèves ton make-up, mais en levant le make-up là, tu peux laver ta face avec cela. Donc, si vous avez des amis qui sont des sorciers, après cet acte prophétique, la personne que tu vas appeler, elle ne prendra plus. Ou elle va même te bloquer carrément. Si c'est l'homme avec qui tu vis qui est sorcier, madame, même si vous êtes mariée, prépare-toi au divorce. Prépare-toi au divorce. Pardon. Soyez prêts, parce que vous savez, lorsque j'invoque le nom du Seigneur, le Seigneur m'exauce. Ce n'est pas les yeux, mes amis. Pardon, réfléchis avant de faire cet acte prophétique. Je répète encore, réfléchissez bien avant de faire cet acte prophétique. Le but de l'acte prophétique de ce matin, c'est que toute mauvaise personne dans ta vie doit déguerpir. Toute personne maléfique, toute personne sorcière qui pratique la sorcellerie, mais que tu ne connais pas, elle te sera révélée et elle va sortir de ta vie. Cette eau va la chasser. Ce sera comme un feu pour elle. Elle s'en ira loin de ta vie, et je dis encore, elle s'en ira très très loin de ta vie, dans tous les domaines, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère ou ta soeur, immédiatement la personne va fuir. Tu vas remarquer que tu appelles, elle ne parle plus, elle ne prend plus, ou bien tu salues, la personne ne répond plus, la personne va déguerpir de ta vie, même si c'est ton ami que tu as logé chez toi, tu vas revenir, peut-être tu es au travail, alors tu es en train de me regarder, tu vas retourner chez toi, tu vas trouver qu'elle a pris ses valises, elle est partie, ou il a pris ses valises, il a fui sans te dire au revoir. Ça, c'est une notion que Dieu m'a donnée. Le méchant ne résiste pas dans ma présence. La Bible dit le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Nous allons appeler cette onction. Mettons-nous, on va prier. Mon ami, tu as besoin, tu as droit au bonheur. Écoutez-moi, hein. Moi, je ne crois pas au christianisme que c'est la misère, la pauvreté, les maladies sur maladies et tout ça. C'est vrai que les épreuves sont importantes et tout, mais ça ne doit pas venir de tes ennemis. Oui, de Dieu, oui. On dit oui.
c'est Dieu, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais que Satan, tu souffres parce que les sorciers, mon ami, ils sont malades ou quoi? Ils sont malades, qu'est-ce qu'on va bien dans leur tête là? On va bouger leur cerveau là maintenant au nom de Jésus. Prophète contre sorcier. Est-ce que tu es prêt pour cette guerre? Mets ton nom. Toute personne qui bloque ton dossier, je vois mon dossier de régularisation en France. Amen. Tous mes enfants de la diaspora, vous avez des papiers, dossier de régularisation bloqué. On va prier maintenant. Je crois en Jésus. Si toi aussi tu crois au Seigneur Jésus, s'il te plaît, sois prêt pour cette prière. Donne-moi ton sujet. Dans quel domaine tu veux l'intervention de Dieu? Prophète, my real estate projects are blocked. No problem. We'll pray for it now. Le travail, les finances. Amen. Dieu la douce, le mariage, la santé, immigration pour le Canada à travers West. D'accord. Je veux la tête de tout sorcier autour de moi. Amen. Ça, il en sera ainsi. Leur tête tombe au nom de Jésus. On a encore qui? Quel est le sujet de prière? Dans quel domaine tu veux que le Seigneur intervienne par cette tour? Ça, c'est Ndongo Dongo qui a dit cela. Que Dieu te bénisse. Père, au nom souverain de Jésus, par ta grâce, laisse-moi me mettre à genoux. Où ça va? Seigneur, par ta grâce, au nom précieux de Jésus de Nazareth, j'invoque ton nom sur ces eaux maintenant. Partout où l'eau est présentée, j'ordonne, Seigneur, que ta manifestation commence à agir maintenant. Que ton onction entre dans ces eaux. Seigneur, que les sorciers, que les mauvais amis, les mauvaises personnes, les agents de Satan dans nos vies, quel que soit le domaine, par cette eau, comme nous l'avons nos faces, le masque qu'ils ont mis retourne sur eux. Ils ne résisteront plus dans notre présence. Qu'ils soient chassés par cette onction. Que cette onction soit l'onction anti-sorcellerie, anti-agent de Satan. Toute mauvaise personne dans nos vies, que ce soit où nous travaillons, que ce soit dans nos mariages, dans nos foyers, dans la belle famille, dans nos propres familles, dans le marché où nous travaillons, Seigneur, manifeste sa gloire. Seigneur, qu'il y a une telle débandade parmi les sorciers, les agents de Satan, qu'il n'y en a jamais vu dans les 24 heures suivantes. Seigneur, à partir de cette heure jusqu'à demain à la même heure, Seigneur, chacun appellera demain pour rendre témoignage qu'il fuit comme la peste. Ils nous fuiront comme la peste après cet acte prophétique. Ils nous fuiront comme la souris fuit le chat. Seigneur, ils ne résisteront plus dans notre présence au nom souverain de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Mon Père et mon Dieu. Qu'une onction qui expose la sorcellerie et ses œuvres descende dans ces eaux maintenant. Toute personne qui était voilée spirituellement, sur le visage de qui on a mis un filet maléfique pour bloquer sa vie, sa carrière, son travail, son mariage, sa vie sentimentale, ses projets, sa santé. Seigneur, comme cette personne lave sa face 3 fois, elle est délivrée. Immédiatement, le voile mystique part. Le masque de la sorcellerie s'en va et le mariage de la personne libérée, ses finances sont libérées, sa richesse libérée, sa carrière libérée, ses études libérées, ses dossiers débloqués au nom précieux de Jésus. Père, que ta gloire se révèle dans toutes les nations sans barrière. La distance n'est pas une barrière pour toi. Je te glorifie de ce que tu t'es toujours honoré. Tu as toujours honoré ton nom à travers mes prières dans cette émission et tu as toujours apporté la libération à plusieurs captifs. Maintenant, fais au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Père, merci parce que je sais que tu l'as fait. Que ton nom soit glorifié au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Dis Amen ou tu écris-moi Amen en commentaire. Ouvre ta bouteille ou bien prends ton verre et lave ton visage 3 fois au nom de Jésus. Dis, je me sépare de tout voile maléfique dans ma vie, au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ma vie, Père, je me sépare de tout voile maléfique dans ma vie, dans mes relations, dans mon ministère. Seigneur, toute mauvaise personne ne me supportera plus, elle ne supportera plus ma présence. Même si c'est mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, Seigneur, mes propres brebis, Seigneur, l'homme maléfique, l'homme méchant, l'agent de Satan, ne peut plus me résister, Père. Tout voile contre ma vie est déchiré, retourné sur celui qui l'a attaqué, qui a attaqué ma vie. Au nom souverain de Jésus. Père, à partir de maintenant, je déchire les voiles mystiques. Je déchire les voiles maléfiques. Tout voile maléfique dans ta vie, dans ta vie sentimentale, les échecs, ta carrière, tout domaine de ta vie où tu sens que tu es attaqué, bloqué, par cette ointe, je déclare que tu es débloqué. En lavant ton visage, je déclare au nom souverain de Jésus que ton visage brille maintenant. C'est ta destinée en fait, ta destinée brille, ta vie brille, ta vie sentimentale brille, ta carrière brille, ta profession brille, tes études brillent. Partout où tu iras, où tu étais rejeté, tu seras accepté. Où les portes étaient fermées, elles te sont ouvertes.
au nom souverain de Jésus de Nazareth. Aucune porte fermée ne te résistera, parce que quand elle arrivera, elle verra le signe prophétique sur ton visage, ce lavage de visage qui enlève la malédiction, qui enlève le masque de sorcellerie sur ton visage. Partout où tu iras maintenant, tu seras accepté. Partout où tu arriveras, la porte s'ouvrira devant toi. Dans le nom souverain de Jésus, dis mon Père et mon Jésus, par cet acte prophétique, le voile est déchiré sur mon visage. Désormais, mon étoile brille. Mon étoile brille. Dans tous les domaines de ma vie, mon étoile brille. Ma vie sentimentale est rangée maintenant. Dans le nom souverain de Jésus. Ma vie financière, oh, tes finances sont libérées. La prospérité peut entrer dans ta vie maintenant. Ton visage a été lavé, il a été épuré. Au nom souverain de Jésus, Satan vient de perdre son droit de cité sur ta vie. Tu t'as destiné au nom de Jésus. Ô célibataire, joyeux mariage, la sorcellerie n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Cette semaine, c'est la semaine du combat spirituel. Bien-aimé, toi qui es dans la ville de Yaoundé et ses environs, jeudi 17h, vendredi 17h, samedi 17h à la bille, dimanche 7h30 à la bille, viens avec ta bouteille d'eau. Nous avons déclaré la guerre à Satan et Satan sera vaincu dans son propre camp. Il est temps que tu brilles, que les moqueries s'arrêtent. Que la honte s'arrête au milieu de ta famille, tu ne seras plus un sujet de honte. Je m'associe à toi. Il y a tes combats. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je sais que toi et moi, unis dans la prière, nous allons remporter toutes tes batailles. Toutes tes batailles seront remportées et les montagnes qui se dressent devant ta vie seront renversées. Ta famille s'est moquée de toi. Tes amis se sont moqués de toi. Tes ennemis se sont moqués de toi. Ils ont lancé un défi à ta vie. C'est pas à ta vie qu'ils ont lancé ce défi, mais c'est à ton Dieu. Je me joins à toi comme prophète de l'Éternel dans ta vie. Ce combat, tu ne le perdras pas. Rira bien qui rira le dernier. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, je n'ai pas mon téléphone ici pour avoir vos appels. Demain, je pense qu'on le fera. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. S'il te plaît, si tu aimes quelqu'un, partage-lui cette vidéo pour lui faire aussi du bien. Ne garde pas ce secret pour toi seul. Partagez ça dans vos familles, à vos maris, à vos épouses, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues. Tiens, une collègue qui est bloquée, un collègue qui pleure, est malade, quelqu'un qui souffre des attaques de sorcellerie, envoie-lui le lien de cette vidéo. Ou après même, s'il te plaît, après, tu peux inviter la personne à regarder la vidéo avec toi pour qu'elle puisse aussi participer à la même grâce. Pour tous ceux de mes enfants qui ont les capacités techniques de faire des petites vidéos, les partager sur Facebook ou sur TikTok ou je sais pas n'importe où, je vois certains le faire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous pouvez monter de belles photos à l'église, s'il vous plaît, faites ces choses-là et soyez avec moi guerriers dans le champ de bataille. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h sur cette même plateforme à la lumière des Saintes Écritures. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bye.